Attends, je dois être souriant parce que mon sourire doit se contaminer. Action, on a déjà dit. T'as goûté là. Bon, on est de retour sur la chaîne Chacal, c'est déjà un classique. Bon là, je suis en train de m'ennuyer de ouf, mais j'ai trouvé un nouveau passe-temps. Durant ce temps de confinement, trouvez-vous quelque chose d'intéressant à faire, c'est-à-dire améliorer vos capacités dans un domaine spécial. Moi, je vais vous dire c'est quoi mon domaine que j'ai amélioré. Donc là, durant le temps de confinement, j'ai pu améliorer mon anglais. If you know what I mean. You know, big things popping like Biggie Smalls. Donc dans cette vidéo, on va parler de 3 astuces pour améliorer l'anglais. Comme ça, vous allez pouvoir parler anglais comme moi, Chacal, tu vois, parce que l'anglais c'est très important dans la vie, de tous les jours. Pour cette vidéo, on va se lever. Suis la caméra. Mais je savais pas que t'allais te lever, comment je savais pas. Excusez la caméraman, elle est pas très voilà, aujourd'hui vidéo. La lumière doit venir sur moi parce que vous voyez la noirceur, c'est pas voilà. Bon, comment améliorer ton anglais? Alors moi en ce moment je suis trilingue, je suis quadrilingue. Je parle combien de langues? 3 chacun. En ce moment je suis trilingue. Bon, 2 et demi. Je suis trilingue, je parle français, je parle lingala et maintenant je parle anglais. Je suis fier. Moi s'il y a une langue auquel je suis le plus facilement accessible, c'est bien l'anglais. Bon, ok, c'est pas vrai, j'étais une merde. La journée où j'ai appris que j'étais une merde en anglais, c'est quand quelqu'un m'a posé cette question. Hey, how you doing? Et moi, j'ai répondu, nothing. Bruh. Thank you. Il y a bien une langue que vous devez connaître, c'est bien l'anglais. Parce que dans n'importe quel pays, tu peux aller au Zimbabwe, s'il y a bien une langue que quelqu'un parle au moins dans la ville, c'est bien l'anglais. Bah ouais, tu vas pas aller en Russie et espérer que quelqu'un te parle la lingala à chaque année. Aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours galéré en anglais. Mais sachez que tout va changer pour vous en ce moment, ok? Je vais vous donner mes 3 astuces principales pour parler très facilement anglais, chacun. Alors, astuce numéro 1. Écouter des films en anglais. Alors ouais, durant cette quarantaine, ce que j'ai fait, j'ai écouté des films en anglais. Again, thank you very much, and I'm sorry. Mais je comprends pas. J'ai écouté des documentaires en anglais. Strongest bites of all baby cats. Mais je comprends toujours pas. J'écoute même de la musique en anglais. First of all, fuck your bitch and the click you claim. Yo, Tupac c'était le meilleur. Là il est en train de parler de sa maman là. Tu veux écouter? Non, attends, attends, il parle pas de sa maman, Mais oui, il parle de sa maman, il dit force ton bitch and clip you claim. C'est ça, c'est. Mais non, donc toi tu parles pas anglais toi. Toi tu nous mens ici toi. Non mais. Non mais arrête. L'astuce numéro 2, entourez-vous des personnes qui parlent tout le temps anglais. Au début, ils vont vous faire chier. Ouais, moi je parle anglais, you know what, popping et tout, patati patata. Mais à un moment donné, vous allez commencer à comprendre. Et c'est ça le plus important d'alléger. Il faut se rendre au niveau où il faut comprendre. Même si tu comprends pas, au moins essaye un peu. Yeah, so you remember that time I was talking about we went to the amusement park and then we had to take my friend's car because her mom was working, right? So she took the keys, but that thing wasn't working. But she didn't have gas on it. Je ne comprends rien de ce que tu m'as dit. But you say souvent moi les trucs en anglais parce que moi en ce moment comme je dis je suis un expert mais avant j'avais pas ce courage à parler en anglais devant des gens. Quelqu'un me posait une question en anglais, j'avais tendance à répondre en français. Maintenant j'ai trouvé une solution maintenant à ce problème. So yesterday I was munching in the assieting and it was very delicious because I was fainting the oof. Rajoute ing à chaque mot. Maintenant l'astuce et les dernières astuces dans cette vidéo trale chacun. Ça c'est très important. Sachez que même Molière a appliqué cette méthode dans le game. Tupac quand il a commencé à chanter, il a fait cette astuce. L'astuce c'est quoi? Lisez des livres en anglais. Mais ouais chacun, il y a rien de plus important à la lecture. Parce que la lecture ça connecte directement avec les cerveaux. Tu vois, donc tu lis en anglais et je t'ai garanti. En même pas une semaine, tu vas commencer à parler. L'anglais ça va couler chacun. Ça va couler. T'as vu la rivière qui coule? Ça va couler. Oui. Alors en ce moment je lis un livre, ça s'appelle Free Your Mind. Ça veut dire gratuit ton cerveau. Intéressant, on y va. Our students belong to this state of consciousness. C'est bon, coupe. Donc c'est bon chacal, là maintenant je vous ai donné les 3 astuces. Alors appliquez très bien cette astuce, devenez comme moi un maître dans l'art du domaine, ok? Moi, mettez-moi n'importe qui devant moi en ce moment. Drake, Chris Brown, je vais speak. Ah mais moi je parle en anglais moi. Ah ouais?
Ouais, je peux parler en anglais un peu? Vas-y, how are you, man? I was thinking about, you know, talking oh, about... Calme-toi! Calme! Yes, sir. What? I was thinking about the shirt you're wearing. Where did you buy that? The fuck? Yes, I'm doing great. You know, Obama is my friend and I love spaghetti. Your shirt. My name? Your shirt. The thing that you're wearing? My shirt. Yes, so my shirt is like my shoes is something like I really love, you know, running, jumping jack, you know, gauching, droiting. My question was where ah, tu m'énerves. Voilà, alors, comme je disais, ça va être tout pour la vidéo aujourd'hui, donc... Attends, t'es pas focus. Ok, vas-y. Moi, je suis pas focus. T'étais pas focus. Moi, je suis très focus, hein. C'est la caméra qui est pas focus. Focus-toi. J'étais pas payé pour rien, toi. Bon, ça va être tout pour aujourd'hui, la famille. J'espère que vous avez kiffé mes astuces. Donc, voilà, dites-moi en commentaire si vous les avez pratiquées ou si vous les connaissez ou si vous connaissez d'autres pratiques plus importantes. Ouais, c'est bon, ça colle, donc. On se revoit pour une prochaine fois si t'as aimé la vidéo. Ouais, c'est bon. Puis si t'as pas aimé, attends. First don't fuck your bitch in the click you clip. Take money. C'est bon, puis si t'as pas aimé la vidéo. Rires.